Et on est dans quelle ville? Pamprou. Pamprou. On va aller chercher de l'eau pour la ville. Là où le raisin pousse, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a sur la fontaine? Une paille de vigne. D'accord. Bon, ben voilà. On continue? Ouais. Qu'est-ce qui a été oublié? C'est quoi ça? Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more. No more. It cannot wait. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't. Non, attends, il y a un des animaux normalement en haut du portail, au centre du portail, puis tu me dis ce que c'est comme animal. Au-dessus du... Le cargo. Voilà, sur la route, on fait une petite géocache. Donc là, on est sur la voie romaine. C'est une voie qui, à l'époque, allait de Poitiers jusqu'à Niort et qui... À l'époque, ben, en fait, les mulets étaient chargés de farine, de sel, de grains, et ils parcouraient cette route. Les chaumes d'Avon, un paysage à livre ouvert. Voilà. 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 La fluorécéine, un marqueur de l'hydrogéologie. En gros, ils expliquent que c'est une substance inoffensive qui donne à l'eau une couleur vert fluo. C'est dû à la roche. Vous pouvez répéter la question? Quel arbuste épineux utilisé par les pygèches pour vous inviter? Donc, le pépine, ça pique. Sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0 est nul. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est un petit pied. On dort là, pas de pied.
ce qu'il y a. Oh, bon, du coup, on arrive sur la côte Belette et culmine à 117 mètres au-dessus des vignes. Il y a des fossiles et là, les différents plateaux jurassiques. Aujourd'hui, ils font la vallée de Pamplou. Donc il y a un petit peu toute l'histoire, comme tout à l'heure, sur le parfait pour descendre. Mais toi, c'est expliqué comment. Les épaules en arrière et on gigote les fesses aussi pour détendre les fesses. Voilà, voilà. Emma, t'as réussi? Oui. On a trouvé quoi? La cache. Voilà. Si vous voulez me suivre dans prochaines aventures, abonnez-vous et partagez. Je vais donner à boire au canard. Mais pourquoi tu veux donner à boire au canard? Parce qu'ils ont faim. Mais ils ont de l'eau. C'est pour toi l'eau, c'est pas pour les canards.